dans les grands matchs comme ça. On a pris les occasions, mais on a loupé. Après, il a pris la main. Et toi, sur le plan personnel, on a vu sérieux et appliqué. Comment arrive-t-il à tenir alors qu'en club, tu ne joues pas depuis quasiment le début de la saison? En RDC, Éthiopie, intéressant, mais sans enjeu, le gros match. À 16h en temps universel, à Dar es Salaam, c'est Tanzanie-Guinée, ça sera la finale. Le vainqueur ira à la CAN, le perdant n'ira pas, et si un match nul, les Tanzaniens n'iront pas alors que la Guinée sera qualifiée. Vous savez tout, on s'est régalé, on a passé une super soirée. On va se quitter là-dessus. A très bientôt pour la suite de ces éliminatoires de la CAN, de la CAF, Total Energy, toujours avec beaucoup de passion. Merci et à très bientôt à deux dès demain pour la suite des matchs. C'était un bon match, une très bonne première mi-temps, je pense. Après, deuxième mi-temps, on a un peu plus levé le pied. Voilà, il faut qu'on apprenne à être constant sur la durée. Mais globalement, ça a été un très bon match. Et ouais, je suis content de mon but. Et bien sûr, le plus important, c'est la victoire. Il fallait absolument gagner ce match-là pour se repositionner, surtout éviter d'être obligé de gagner le match à Dar es Salaam mardi prochain. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit sur le terrain quand le temps avançait? Il fallait absolument tenir et y croire. Ouais, faut toujours y croire, ça c'est la vie, elle est comme ça. Après voilà, on voulait absolument gagner. Et aussi il faut savoir ne pas perdre aussi. Je pense qu'un point c'est mieux que zéro. Voilà, on a réussi à lever le clou à la fin et donc on est tous très heureux ce soir. Merci. Hey, Jean-Zem. Jean-Michel, vous étiez qualifié avant cette cinquième journée, mais vous avez mis un point d'honneur à jouer et à rester sérieux jusqu'à la fin de la rencontre, malgré le fait d'avoir encaissé ce but.
Ouais, le plus important d'abord, c'est d'aller d'abord aller pour la CAN. Et dès la grâce, on a fait. On a travaillé tout le monde, les coachs et les secrets de tous les peuples congolais et les secrets du gouvernement. On est déçus aujourd'hui parce que c'est la défaite. On assume les grands joueurs. On assume les grands joueurs dans les grands matchs comme ça. On a pris les occasions, mais on a loupé. Après, il a pris la main. Et toi, sur le plan personnel, on doit vu sérieux et appliquer. Comment arrive-t-il à tenir alors qu'un club qui ne joue pas depuis quasiment le début de la saison? Dans la vie, il faut travailler, le plus important. Et toutes les difficultés, ça vient. C'est Dieu lui-même. Il a programmé ça dans la vie. Le plus important, on reste pour toi. On a le contrat avec notre club et tout le monde sait. On a donné à fond, j'ai donné à fond. Après, les humains sont compliqués dans la vie. Le plus important, c'est la santé, la famille. Et nous, on est là, on travaille. Quand les clubs ils pensent à moi, gloire à Dieu. Quand les clubs ne pensent pas à moi, la vie, ça continue. Mais on ne va pas laisser notre tête. On va rester focus, on va continuer à travailler comme on fait notre boulot. C'est notre boulot. Et quand tu as les contrats, tu vas continuer à travailler. La vie, c'est comme ça. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a possibilité de voir Chancel Mbemba changer de club à l'intersaison? Parce que là, bientôt, la fenêtre des transferts. Est-ce qu'il y a possibilité de voir Chancel Mbemba aller ailleurs, voir ailleurs? J'ai contrat avec Marseille. J'espère, à janvier, quand Dieu est levé, gloire à Dieu. Mais quand Dieu ne décide pas, c'est les humains. Tu vois, les humains sont compliqués de cette terre. Chacun regarde ses intérêts, mais le plus important, on fait notre boulot, on fait notre travail pour satisfaire tout le monde. Le plus important. Et Dieu protège nous d'abord la santé. C'est le plus important. Bonne chance. Avec plaisir. Oui. Dans la vie, il faut travailler, le plus important. Et toutes les difficultés, ça vient. C'est Dieu lui-même. Il a programmé ça dans la vie. Le plus important, on reste pour toi. On a le contrat avec notre club et tout le monde sait. On a donné à fond, j'ai donné à fond. Après, les humains sont compliqués dans la vie. Le plus important, c'est la santé, la famille. Et nous, on est là, on travaille. Quand les clubs ils pensent à moi, gloire à Dieu. Quand les clubs ils pensent pas à moi, la vie, ça continue. Mais on ne va pas laisser notre tête. On va rester focus, on va continuer à travailler comme on fait notre boulot. C'est notre boulot. Et quand tu as les contrats, tu vas continuer à travailler. La vie, c'est comme ça. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a possibilité de voir Chancel Mbemba changer de club à l'intersaison? Parce que là, bientôt, la fenêtre des transferts. Est-ce qu'il y a possibilité de voir Chancel Mbemba aller ailleurs, voir ailleurs? J'ai contrat avec Marseille. J'espère, à janvier, quand Dieu est levé, gloire à Dieu. Mais quand Dieu ne décide pas, c'est les humains. Tu vois, les humains sont compliqués de cette terre. Chacun regarde ses intérêts, mais le plus important, on fait notre boulot, on fait notre travail pour satisfaire tout le monde. Le plus important. Et Dieu protège nous d'abord la santé. C'est le plus important. Bonne chance. Avec plaisir. Oui. On ne prend plus ces filles ici, mesdames.